Zanmi famille Anouel Akay, d'après sa plusieurs sources rapportées by journal Le Nouvelis, a confirmé décision majorité dans CPTI pour révoquer le Premier ministre Gary Kony après une réunion chargée tension qui était faite vendredi ça dans Villa d'accueil. Didier Alix Afizeme, on regarde sur écran, doit remplacer Kony dans tête gouvernement. Refi docteur Gary Kony pour faire un changement dans ministère yo, c'est raison entourage li yo bay pour justifier révocation ça zami famille yo. Donc après plusieurs réunions sans résultat, président CPTI Leslie Voltaire qui c'est principal moun qui poussé pour révoquer docteur Kony finalement accompli menace li yo. D'après quelques sources qui toujours bien informées, arrêt révocation ou résolution transféré dans journal officiel paysan Le Moniteur. Depuis les li prend tête à CPTI, architecte Leslie Voltaire semblait établir un leadership qui basé sur confrontation, déplacé conseil loin priorité liyo pour favoriser un conflit pour pouvoir. Au lieu li consacrer tête li pour besoin population, Voltaire rentrer dans un conflit pour servir intérêt yon clan. Augmenter tension entre CPTI et Primati. Rive mandé pour renvoyer 4 ministres. Quelques observateurs remarquaient que gangyo retourné actif pour mener action violente contre la population civile là pour montrer incapacité gouvernement ça pour répondre à crise sécurité. Plusieurs monde mouri dans Akaye, dans Cabaret et puis dans Solino avec Fort National selon Human Rights dans Nations Unies sorti janvier pour arriver septembre. Presque 5000 monde mouri assassiné. Accrissant violent yo 12000 moun déplacé quitter la caillou. Yon l'autre côté zanmi famille nou yo, information ki poko officiel rapporté que communauté internationale lan sitoko groupe posé à révocation gynécologue Gary Kony. Gen source ki fait konnen que gen possibilité pour yon juge de cassation ta remplacer CPT1 pour kembe Gary Kony nan poste li. En plus de ça, Didier Alix Afizeme toujours été candidat qui gagne plus en chance pour remplacer Dr Gary Kony comme premier ministre. Gen journaliste JPPC Gary Pierre-Paul Charles qui fait un tweet sur ça, donc avni conseil présidentiel l'a menacé. Donc on l'a non considéré pour voir quoi groupe a gagné sur politique donc haïtienne. Nous allons regarder ensemble amis famille à Noé Lacayo plusieurs points. Donc, premièrement conseil présidentiel là, donc si information ça a publié dans journal officiel paysan, c'est-à-dire que révocation premier ministre Gary Kony est officiel. Donc est-ce que conseil présidentiel là gain pouvoir selon accord 3 avril là pour révoquer premier ministre là? Eh bien selon déclaration ancien premier ministre Claude Joseph qui était participé dans élaboration document ça qui portait à fonctionnement à organisation conseil présidentiel là sous antenne télé métropole était déclaré selon article 37 dans décret 29 mai c'est organe de contrôle action gouvernementale OCAG en cas présomption grave de corruption constatée que conseiller présidentiel yo à travers les organes ça a révoqué premier ministre l'ensemble famille nou yo. Donc d'ailleurs organe ça pour conformer. De l'autre côté, accord 21 décembre réagit, mais André Michel déclaré que accord là pas au courant de une résolution de CPT1 pour renvoyer premier ministre là. Il y a aller plus loin pour le dire que selon texte qui créé CPT1 conseil présidentiel n'a pas gain pouvoir pour révoquer Gary Kony. Deuxièmement, n'a pas gardé Gary Kony zanmi famille nou yo. Donc Gary Kony qui t'a pressuré CPT donc pour yo t'est arrivé dans chemin ça côté que Gary Kony t'a demandé pour que yo retire trois conseillers inculpés yo dans dernière intervention que il t'a fait dans grand public. Dans la presse, à côté qu'il a déclaré, faut que CPT mette trois messieurs de côté, faut que CPT monte organe au CAGLA et faut que CPT li nomme directeur général. D'après sa source, fait qu'on est, Gary Kony te remandé ça dans la réunion à vendredi dans la villa d'accueil pendant qu'il refusait de faire remaniement ministériel. Donc, le conseiller était fâché et il était paré pour Gary Kony, zami famille nou yo. Il y a 5 conseillers
qui signé résolution, celle Edgar Leblanc avec Laurent Saint-Cyr qui pas signé résolution ça. Donc c'est que la formée majorité que nous kawe, Leslie Voltaire, Fritz Alphonse Jean, Smith Augustin, Emmanuel Vertiller avec Louis Gérard Gilles. Nous avons remarqué trois conseillers qui inculent le PIO, qui rejoignent le président conseil, Leslie Voltaire et Fritz Alphonse Jean pour former majorité dans le conseil. Ils ont une résolution qui te prend en dehors de l'accord 3 avril. Parce que selon l'accord 3 avril, la majorité entre deux formée de 4 sur 3. En nous garder ensemble, ancien sénateur Edgar Leblanc, qui t'a déclaré, quelle que soit décision, toi, en exayo, participer, li pas la donne. Nouvelle fait quoi? Li pas signé résolution. Donc, qui rôle Edgar Leblanc vient jouer dans le conseil présidentiel? Est-ce que c'est un troisième observateur? Pour qui ça que li pas démissionné? Donc, c'est que li pas participer dans aucune décision à quand monsieur yo, sans mi famille à Noël à Kayo. Donc par rapport à la présence en toi inculpé qui nan conseil présidentiel, eh bien gen directeur organisation RNDDH Jean-Pierre Espérance dit à journal Les Nouvelistes trois conseillers inculpé et mais pas en mesure pour prendre décision qui engage pays. Donc si deux conseillers parmi trois qui inculpé pas ca président conseil donc yo pas ca arrêté dans conseil en tout. Donc c'est un bagage qui logique. Mais pour que Leslie Voltaire règle les différences avec le premier ministre Garry Conille, il fait alliance et pour présumer Garry Conille, il met en difficulté pour révoquer Garry Conille, amis famille Noël. Il y a un ancien président Jocelyn Brivet qui réagit sur le conflit entre deux têtes exécutives qui déclarait relation président avec le premier ministre n'a pas doué fait objet de conflit inutile. Constitution a mis en place comment pour gérer genre de conflit ça yo. Côté constitution fixé attribution chaque tête exécutif là. Li déclaré rapport premier ministre là avec président sans pas un rapport subordonné. Premier ministre là pas subordonné président. Eh bien ancien président mettez précision talè que nous pral faire autant de déclarations ça aux amis famille nous. Troisièmement, on garde qui ça population bénéficier de conflit ça. Donc a dit plus coup de balle attaquant vivant ensemble sous Solino, sous Akaye, sous Kabaret, Fort National, côté Kaiboulé, en pile moun tombé. Nous tendez rapport Human Rights dans Nations Unies qui publié presque 5000 moun mouri assassiné sorti janvier pour arriver septembre. 12000 déplacés. Zami famille Anouel Akaye yo fait recenser. N'a posé question pour qui ça que peuple, pour qui ça peuple li pas fait même gens avec Sri Lanka. Pour qui ça que peuple a rété abdormi toujours? Pour qui ça que peuple a pas fait même gens avec le pays Bangladesh? Dernièrement là, qui était sorti, qui était pris dans la rue, qui était al mette moun, yo pensé qui a dirigé yo, mette dans tête à pouvoir. Donc pour qui ça que peuple a rété abdormi toujours? Ou peut-être, n'a prétend c'est étranger ou bien c'est américain qui pour vinn mette yon moun pour diriger nous. On garde ça ensemble amis famille à Noé Lacayo. D'après chiffre magasin économique Bloomberg Business a publié met Tesla qui c'est Elon Musk c'est businessman qui wè richesse li augmenté après victoire candidat républicain 26.5 milliards de dollars après Elon Musk qui c'est un partisan zélé Trump. Nous joignons fondateur Amazon non? Jeff Bezos qui ouais richesse augmenté 7.2 milliards par semaine après l'été décidé pour Washington Post qui c'est journal Washington Post que lui c'est propriétaire pour pas endosser candidature vice-président Kamala Harris là. Après Bezos gen cofondateur compagnie Oracle Larry Ellison vini en troisième avec 5.5 milliards de dollars richesse en plus. Mercredi, l'autre personnalité riche qui s'est véritable gagnant après victoire Donald Trump là, c'est ancien dirigeant Microsoft Bill Gates avec Steve Ballmer ancien
et responsable Google Larry Page avec Sergey Brin et puis PDG Berkshire et Hathaway Warren Buffett et tout en monsieur Sayo ensemble après victoire candidat républicain vini en total 64 milliards de dollars selon CNN. C'est moun qui pi riche qui vient pi riche. Est-ce que nous pensons que Donald Trump pral faire plus que Joe Biden? Vin touye gang pour nous. Nous pensons que Américain yo a quitté problème que yo gen la caillou donc pour vin gérer donc question que nous gagne vin régler problème que nous gagne. Nous pensons que problème que nous gagne là c'est un problème haïtien. C'est haïtien seulement qui ca gérer et problème ça, qui ca résoudre le problème que nous gagne là zami famille à nous la caillou. Donc élection qui se passe là États-Unis Donald Trump président donc on voit que c'est millionnaire qui a fêté c'est eux même qui sont fait l'argent non donc nous t'ai remarqué dans campagne président élu hein? Donc toute allégation que il était fait sur immigrant haïtien qui vivent dans état Ohio dans Springfield mais tout haïtien qui vivent États-Unis donc est-ce que nous pensons que Donald Trump va le faire un bagage différent pour Haïti. Donc nous pensons que peuple c'est moment pour que li réveille. Voilà supposé à pas accepter que monsieur Sayo qui gagne 3 inculpé donc qui t'a supposé quitter conseil là à diriger nous toujours. Donc voilà supposé que quitter garé koni sur côté le sorti qui se passe 12 ans en dehors pays hein. Il va connait comment que pays a fonctionné et d'ailleurs il dit qui ont été mal évalués donc un problème qui est à terre donc pour Kimbel en tête à pouvoir ça toujours donc nous mêmes peuple là nous supposer donc nous supposer lever pied non nous supposer donc en fait ça qui vous faites là même gens avec Sri Lanka même gens avec en Bangladesh en attendant ça président Jocelyn Privert lui-même déclaré de conflit ça qui existait entre La cohabitation entre un président et un premier ministre, il fait partie de, il est clairement établi à l'article 136 de la Constitution. Cette cohabitation peut être harmonieuse, tout comme elle peut être tendue. L'article 136 prévoit que le premier ministre pourrait sortir du parti majoritaire au Parlement, le parti détenant la majorité absolue. Dans notre histoire récente, nous pouvons jamais véritablement vivre un cas d'un président élu et une majorité parlementaire qui lui est totalement une majorité parlementaire qui lui est totalement hostile. Et m'a évoqué trois cas. Et alors, le seul cas où il y a une cohabitation d'Acadie tendue. C'est 1996-97. Les élections de 95 avaient porté au pouvoir la plateforme politique, la Valas Botabla. Ou rappelons, espoir ça. Plateforme politique, la Valas Botabla. René Préval a été élu président. La plateforme Botabla a remporté une majorité au Parlement. Une fois les élus investis dans leurs fonctions, le parti politique, organisation du peuple en ligne, alors, aux hommes politiques, Lavalas, je reprends le mot, l'organisation politique Lavalas réclame la majorité. Comme il réclame la majorité, il lui revient la nomination du premier ministre. C'est ainsi que M. Ronnie Smart a été effectivement nommé premier ministre. Et c'est le seul cas de cohabitation difficile, tendue entre un premier ministre et un président. Les autres cohabitations, que ce soit 2001-2004, il n'y a pas eu de cohabitation difficile. Le parti Famille Lavalas détenait une majorité au Parlement. 2006-2011, la plateforme L'Espoir avec René Préval président détenait une majorité au Parlement. 2016-2017, Monsieur Jovenel Moïse détenait une majorité au Parlement. Le choix de leur premier ministre ne devrait faire l'objet d'aucune difficulté et la cohabitation
ne devrait pas être tendu. Mais, vous connaissez, en politique, c'est une lutte d'influence permanente. Moins d'un an, moins d'une année, avant l'investiture de Jean-Marie Chérestal comme premier ministre, il y a eu déjà un vent de fronde entre son gouvernement et le Parlement. Il a été interpellé et a été forcé de présenter sa démission. Le premier ministre Yvon Neptune, sénateur de la République, président du Sénat, a pointé à ce même poste, a été ratifié et a conduit son mandat jusqu'au renversement du gouvernement. Donc, il n'y a pas eu vraiment de cohabitation difficile. Dans un autre cas, il est possible aussi, en l'absence d'une majorité au Parlement, que le président choisit le premier ministre en consultation avec les présidents des deux chambres. Mais là encore, le président consulte les deux chambres et leur propose la personnalité qu'il souhaite nommer premier ministre et les deux chambres lui renseignent sur les chances de ce premier ministre d'être ratifié par les deux branches du Parlement. Du Parlement. Maintenant, nous faisons partie de ça, très pédagogique pour nous garder l'histoire et comprendre ce concept l'avait dit. Maintenant, à nous garder l'actuelle mise en place de conseil présidentiel et du président. Circonstances politiques, il y a pas même de toute évidence. Circonstances institutionnelles, il y a pas même. Et nos situations pratiquement là et de vide institutionnel par rapport à une série d'institutions, notamment le pouvoir législatif. Et nos situations sécuritaires qui est exceptionnelle par rapport à ça, pendant au moins 3 ou 4 décennies dans le pays. Et je dis à y a des difficultés. Et clairement, est-ce que vous pensez que transition ça a réussi avec cette formule que vous avez là avec le conseil présidentiel de 9 membres et au premier ministre? Moi-même, je vais toujours répéter. Pas de rien qui justifie que les acteurs politiques se sont entendus sur cette formule qui n'est prévue dans aucun article de la Constitution. Cette forme de gouvernance collégiale avec 9 conseillers présidentiels et un premier ministre. Or, moi dis, même gens que le conseil des ministres résidé par le premier ministre Ariel Henry et qu'a nommé un conseil présidentiel de 7 ou 9 personnes, il aurait pu aussi nommer un conseil des ministres. L'article 149 reconnaît au Conseil des ministres présidé par le Premier ministre les attributs de l'exécutif. Le Conseil des ministres, sous la présence du Premier ministre, exerce le pouvoir exécutif. Donc, il exerce tous les attributs de l'exécutif. Autant que l'exécutif peut nommer un Premier ministre, le Conseil des ministres ministre, au lieu de nommer un conseil de gouvernement, il aurait tout aussi bien nommé un premier ministre qui se chargerait de former un nouveau gouvernement. Maintenant, ça fait déjà 8 mois que cette formule est devenue une réalité vivante. C'est le moment pour les membres de cette formule de cesser leur chicanerie inutile et aborder les vrais défis de la société. Les 8 dernières années, 2016-2024, il y a eu 3 investitures de présidents en République dominicaine. Or, pendant ces 8 années, nous n'avons investi qu'un seul président. Comment, avec une telle instabilité, les 3 présidents de la République dominicaine, ils ont procédé à l'investiture, à 3 investitures en l'espace de 8 ans. On nous-mêmes, pendant cette même période, n'ont pas investi à un seul président. Ça veut dire, renouvellement personnel, politique, là, qui fait partie même de la dynamique démocratique que nous avons choisi, nous pas décidé de respecter. Et comment, avec une telle instabilité au plus haut sommet de l'État, nous avons garanti le bien-être de nos concitoyens, quand notre seule ambition, c'est la lutte pour le pouvoir à travers une transition indéfinie. Il faut, en toute urgence, que cesse cette transition
défis de la société puisse être abordé par une autorité légitime, librement choisie par le peuple à travers des élections honnêtes, démocratiques et critiques. Donc il est temps de cesser cette transition et d'organiser les élections, si j'ai bien compris. L'objectif fondamental de toute transition, c'est le retour à l'ordre constitué par l'organisation d'élections. Maintenant, là, mon cap gardé, l'État qui gagne cet milliage, c'est par coup de correspondance que des différends sont abordés et des fuites dans la presse. C'est clair qu'il y a une lutte pour le pouvoir là, et de querelle politique entre M. Voltaire et M. Kony. Qui regarde ou porte sous conflit ça au plus haut niveau de l'État, M. Wigler? On me dit que les relations entre les deux chefs de l'exécutif, à savoir le Premier ministre et le Président, ne devraient pas faire l'objet de tant de conflits inutiles. Les responsabilités de chacun des têtes de l'exécutif, chef de l'État et chef du gouvernement sont clairement fixées par des dispositions de la Constitution. Mais ça, nous avons souhaité que tout le monde rappelle. Constitution 87, là, les faits président entrer en campagne. Pour solliciter le support de la population, le vote de la population. Il fait des promesses, il prend des engagements. Malheureusement, il n'est pas habilité, à travers cette constitution, à mettre en œuvre lui-même ses décisions et la politique gouvernementale de la nation. C'est lui qui est dans l'élection, c'est lui qui fait campagne, c'est lui qui fait promesse, c'est lui qui fait engagement. Mais pour implémenter l'engagement, pour le mettre en œuvre, il lui faut un gouvernement. Et le gouvernement, ce n'est pas lui qui le gère. Donc, il se trouve que le premier ministre qui va le mettre en œuvre politique publique, c'est le président qui le nomme. Et c'est d'ailleurs, et peut-être la seule décision que le président prend de sa propre signature. Donc, il ne devrait pas y avoir de conflit entre un président et le premier ministre qu'il a nommé. Et il n'y a pas non plus de subordination du premier ministre par rapport au gouvernement. Ça doit être clair pour tout le monde. Les premiers ministres ne sont pas des subordonnés du président de la République. Ce sont les deux têtes de l'exécutif. Même quand un premier ministre aurait déclaré qu'il rentre dans le bureau président avec l'idée pâle, il sortit avec l'idée pas président, malheureusement, ça n'implique pas une subordination du premier ministre au président et encore faire du président le supérieur hiérarchique du premier ministre. Donc, pour moi-même, ce qui manquait entre les deux têtes de l'exécution chamaille, c'est un minimum de sagesse et d'humilité. Un minimum de sagesse et d'humilité pour comprendre que les intérêts supérieurs de la nation doivent transcender sur les petites querelles de chapelle. Et m'a dit aux deux bagages. Les ministres des Affaires étrangères, de l'économie et des finances, de la justice, de l'intérieur, les délégués départementaux, les directeurs généraux de la DGI, AGD, PNH, mais ouais, difficilement un premier ministre qui a empêché un président d'entretenir des relations directes avec eux. Et moi, le plus loin, le directeur général de la DGI, le président de la République me demande chaque après-midi de lui communiquer le montant des recettes perçues au cours de la journée à travers un fax. Vous pensez que m'a tellement senti moi proche président et puis m'pap communiquer premier ministre là information, m'pap communiquer ministre qui sous tellement information.
Deuxièmement, j'étais ministre intérieur. Mes représentants au niveau des 10 départements géographiques du pays, ce sont les délégués du parti. Je descends dans le bureau, j'ai une machine, tout délégué à la cour du Palais national. Ils ont été convoqués et sont en réunion avec le président de la République. Mais là, ils sont en réunion. Ils n'ont pas venu dire ça, président. Ils n'ont pas venu dire qui instruction recevoir. Ou pensez que Mka Diyo m'a fâché avec le président parce qu'il a reçu les délégués en mon absence. Président de la République. Je peux, en toute liberté, appeler un ministre, demander un ministre à le rencontrer. Et il a l'obligation de venir me rencontrer. Quitte à lui d'informer le premier ministre que je l'avais invité à me rencontrer, et n'est qu'une instruction que m'bali, et que l'instruction, hein, la rapporte au premier ministre, l'a exécuté. Donc, m'kon en réunion avec le premier ministre Yvon Neptune. Le président m'appelle. Monsieur le Premier ministre, je m'excuse de m'appeler. Il demande à me rencontrer immédiatement. Je laisse la réunion avec le PM. Je vais rencontrer le président. PM, non. Je ne le fais plus comme chef. Président, moi, il me dit, non. J'informe mon Premier ministre. Magique. Et je me déplace pour aller rencontrer le président. Clairement, si j'ai bien compris, on parlait de humilité, sagesse. Mais là, si j'ai bien compris aussi, on question de sens de l'État qui serait à l'origine de ce conflit. Parce que clairement, à vous écouter, il y a une tradition et il y a des dispositions constitutionnelles et légales qui établissent la séparation des œuvres, les prérogatives de chacun, si j'ai bien compris. Mais le président de la République, l'article 146, il assure le bon fonctionnement des institutions. Ça inclut aussi le gouvernement. C'est de la responsabilité du président d'assurer le bon fonctionnement des institutions. Même quand le premier ministre conduit la politique gouvernementale, mais c'est au président que revient la responsabilité d'assurer leur bon fonctionnement. Comment empêcher au président d'avoir accès directement à se charger de la mise en œuvre de ses engagements électoraux? Maintenant, là, nous parlons de schéma d'élection, nous avons une gouvernance et une institution spéciale. Maintenant, il y a des gens qui ont observé, qui ont regardé, qui considèrent que l'inculpation de trois conseillers présidentiels qui appartiennent au corps de le CPT fragilise le CPT. Et si vous aviez à gérer ça, quel aurait été votre comportement par rapport à cette situation, M. Président? Et là, c'est un petit peu compliqué. Moins doux déjà que cette formule m'a ouais côté au joint. À partir du moment où nous acceptons comme formule, nous signons accord sous lit, on reconnaît à ces messieurs la jouissance des prérogatives qui leur sont données. Je ne vois pas comment, mais ça n'inclut pas que les faits qui leur sont reprochés, s'il y a des faits, ne relèvent pas des attributions du président. Parce que le président de la République a privilège de juridiction, je répète, le président de la République jouit du privilège de juridiction pour les crimes et délits commis dans l'exercice de ses fonctions. Si les crimes et délits commis ne participent pas de l'exercice des fonctions du président, la juridiction compétente, c'est la juridiction de droit commun. Maintenant, quand est-ce que la juridiction de droit commun peut intervenir? Et c'est là tout le débat. Du temps où le fonctionnaire exerce sa mission, il jouit de ce qu'on appelle une immunité politique, à moins qu'il soit surpris en flagrant délit. S'il n'est pas surpris en flagrant délit, il faut attendre qu'il laisse sa fonction, pour que les tribunaux ordinaires se saisissent du cas. Maintenant, je dis à et gain de prise de parole de la part de certains
secteur qui voyait représenter qui veut retirer confiance sur fort soit inculpé ou retirer dans CPA pour ne pas hypothéquer la transition ou faire des considérations juridiques constitutionnelles et au plan politique et est-ce que d'après vous ou pas présence M. Sao fragiliser cette transition même pas dire au plan politique mais au plan moral. Ou quand le proverbe, la femme de César ne doit jamais être soupçonnée. Des membres d'un conseil présidentiel qui gère les intérêts de la République devraient être des irréprochables. Maintenant, clairement, est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à la situation, ça, c'est des gens qui, comme Tim Badou, Tadoué, font un geste de se mettre en retrait et permettre au secteur. Et d'intervenir et au Premier ministre et M. Voltaire, président de CPPA, Ndakadi, essayer de redresser relation pour et enlever plus ou moins ce grève d'hypothèque qu'il y a sur la réussite de la transition qui inquiète de plus en plus aujourd'hui. Pour être honnête avec toi, moi pas intéressé à ce que dit l'accord du 3 avril. Pas intéressé, c'est la Constitution. Et me dit, au niveau moral, il y a un problème. Mais le départ de ces messieurs va ouvrir la voie à quoi? Et le risque de chambouler la transition est aussi visible. Or, comment est-il, après 4 ans, on s'achemine vers 4 ans d'une transition, finalement, que nous prenons une décision pour nous dire on mette fin à la transition ça à travers des élections. Or, toute initiative n'a pas. Si l'objectif, c'est d'assurer le lancement du processus électoral, très bien. Mais s'il s'agit, pour certains, d'asseoir leur pouvoir, d'être les seuls 5 ans, il était organisé une seule élection en 2015 que le pas même lui conduit à terme. Alors que pendant son mandat, il devait en organiser 3. Le président Moïse est resté 4 ans au pouvoir. Il n'a eu organisé aucune compétition électorale, alors qu'il aurait dû en organiser 3. Monsieur Ariel Henry, la toute première fois que je me rencontre, c'était le 19 juillet 2021. 3 jours avant la fin de son premier gouvernement, me dit Premier ministre, vous êtes là pour une durée entre 12 et 18 mois. Il faut rapidement lancer le processus électoral. Le 2 janvier 2024, il me rend visite. Me dit Premier ministre, pas quitter mois de janvier à passer son pas formé conseil électoral. Là. Après 30 mois à la tête de l'exécutif, il y a urgence que soit amorcé le processus de la fin de cette transition. Or, que ce soit avec M. Martelly, je dirais même, avec le président Aristide 2001-2004, Michel Martelly 2011-2016, Jovenel Moïse 2017-2021, et Ariel Henry, les acteurs politiques, ils ont mené toute forme de bataille, toute forme de guerre, pays loc, manifestation, grève, pour forcer le gouvernement, pour provoquer les départs de ces présidents. Mais jamais sur la question électorale, depuis 8 mois, pendant 3 ans, premier Ariel là, où t'es jamais tant d'acteurs pour parler de élection? Pendant 8 mois qui sont passés là, les acteurs politiques, est-ce qu'ils ont parlé d'élection? Or, les élections, ce n'est pas seulement l'affaire du conseil présidentiel, du premier ministre. C'est aussi l'affaire des acteurs politiques, c'est la société civile, c'est la population. Tout le monde t'est doué un seul objectif, un seul cri, un seul complet. Relancer rapidement le processus électoral. Je veux dire, ce qu'il nous faut pour ne pas hypothéquer la réussite de cette transition, c'est que chaque acteur dans la société a assumé sa part de responsabilité. Parce que si cette transition échoue, on fait
un saut dans l'inconnu. Et personne n'a qu'à imaginer ce qui se passait si rapidement nous pas monté toute volonté nous pour nous organiser élection dans le pays. Que c'est dans l'interview sur Magic 9 ou bien dans des conversations en background avec vous pour essayer de comprendre des réalités, on te dit nous que si nous allons dans le juge constitutionnel là, nous allons nous rentrer dedans, jouer pour le pays. Et ou pas seulement qui vont dire ça, d'autres politiques vont parler publiquement, vont dire nous faire aventure là, nous quelque part, ouais, ça nous paye comme prix pendant les derniers mois. Et là, on se bat des mots qui semblaient pour moi des mises en garde très claires par rapport à sa capacité, la plus douloureuse que ça puisse nous déjà. Là, nous avons une hypothèse. Maintenant, si M. Pivert, qui se dit là qu'il y a une conversation avec M. Henry, qui est un président que nous sollicitons dans cette conversation ce matin là, t'as gagné pour lui parler avec M. Kony, t'as gagné pour lui parler avec M. Voltaire. En considérant qu'il y a cette situation de conflit au niveau de l'exécutif, en considérant qu'il y a une situation de guérilla urbaine, de violence terrible et absolue contre la population, des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés, une douleur terrible dans les communautés qui victimes de massacres, économies écrasées, et il y a des gens là qui sont des chefs de gang ou, si vous voulez, des leaders de guérilla, et je ne sais pas si vous avez l'appellation tout à l'heure, là, qui préconisent la prise du pouvoir par la force. Et lors du tableau, ça arrive, M. Pivert, quels sont les augures pour l'avenir, premièrement, et deuxièmement, si vous avez parlé directement à M. Henry, à M. Voltaire et à M. Kony, qui sont à dire? Vous écoutez. La lettre que M. Kony a adressée à M. Voltaire, il y a deux informations qui interpellent. Il parle des 700 000 compatriotes haïtiens qui sont forcés d'abandonner leur domicile et de se réfugier dans des abris provisoires, dans des camps de fortune. Deuxième, lorsque je suis élu président en 2016, les informations qui me parvenaient, c'est qu'il y avait 3,5 millions de nos compatriotes en insécurité alimentaire. Quand j'ai posé la question, qu'est-ce qui est à l'origine de cette insécurité alimentaire? La réponse était que nous avons raté la campagne d'hiver. Ça veut dire quoi? Élection faite en août 2015, élection contestée d'août 2015 à janvier 2016, nous n'avons manifestation à longueur de journée. Aucune disposition n'a été prise pour relancer les cultures que traditionnellement nous faisons dans le pays de ça. Et arrivé entre février et mars, 3,5 millions de compatriotes en insécurité alimentaire. La lettre du Premier ministre, elle-même parle de... Alors aujourd'hui, les informations laissent croire qu'il y a près de 6 millions de compatriotes haïtiens qui sont en insécurité alimentaire. Au moment de qui prédiction, qui opinion. Grand proverbe qui dit nous, chien gangou, pas joué. Chien gangou, pas joué. Je crois qu'il y a urgence à ce que les autorités politiques comprennent l'urgence de mettre fin à cette crise politique qui ravage le pays depuis tantôt 5 longues années et que le pays retrouve sa stabilité et que des investissements puissent commencer à être implémentés dans le pays pour offrir à nos compatriotes de meilleures conditions d'existence. Que diriez-vous, pardonnez-moi que m'insister sur ça, que diriez-vous au regard
de la performance et de la conduite et du conflit de M. Kony avec M. Voltaire. Que diriez-vous à M. Kony? Que diriez-vous à M. Voltaire? Monsieur, faites preuve d'humilité, de sagesse pour comprendre l'éminente dignité de la fonction que vous occupez aujourd'hui. C'est l'intérêt de 12 millions d'êtres humains qui sont en jeu. Il ne peut pas faire les frais de vos querelles inutiles. Je dis à Guéen, regard qui posait ces deux dernières questions à aborder avant de nous remercier pour conversation. Ça, qui regard est au côté en tant qu'ancien ministre de l'Intérieur et sous situation sécurité à Guéen, observation claire que l'activité criminelle que nous avons gardé là n'a pas relevé uniquement du droit commun. Et Guéen des mondes, notamment le premier ministre qui utilise l'élément de la gaïsa, il arrive en situation de guérilla urbaine. Et gagner des revendications clairement politiques exprimées et assumées par des chefs de gang pour renverser par la violence l'ordre établi. Et d'après vous, comment vous même avez qualifié ça dans le livre-là? Qui réponse qui est adaptée? Et je dis à une nouvelle réalité politique, c'est la question de M. Trump au pouvoir, il a parlé le 20 janvier. Et qui s'est adoué de voir de maison nous au niveau diplomatique et sécurité? Précaution du premier ministre Ariel Henry et que nous avons dit là, c'est justement pour éviter cette situation que l'on a aujourd'hui. Parce que l'absence d'opportunité, l'absence d'espoir, l'absence de rêve au niveau des couches les plus défavorisées de la société, et je dis, qui s'est agrandi avec les milliers de personnes dépossédées, les milliers de biens détruits, les milliers, les centaines de milliers de personnes appauvries, qui créent une situation au bord de la révolte. Et ça ne fait que créer des candidats disposés à rejoindre les groupes armés. Donc, il faut rapidement mesurer toute l'ampleur de cette situation. Mais par contre, cette situation me dit que les préoccupante et c'est une population qui est prise en otage. Voilà déjà 4 ans. Comment sortir de cette situation? Vous parlez de guérilla urbaine. Vous parlez moins de comment le faire au niveau national. Depuis des années, grand pile rumeur particulier concernait infiltration des plus hauts responsables de nos forces de sécurité en collusion avec les bandits armés. Cette semaine, la police a arrêté un agent d'une unité spécialisée de la PNH avec 3000 cartouches dans la machine. Ça devrait nous interpeller quant à la capacité ou même la disposition de nos agents policiers à affronter véritablement les gangs armés. S'il s'agit de la communauté internationale, m'a rappelé qu'au lendemain du 29 février 2004, avant même que les Nations Unies avaient décidé de l'envoi de maintien de la peine à Haïti, la MINUSTAH, t'es des contingents de 4 armées venant de 4 pays différents qui étaient déjà présents sur le territoire. La force multinationale intérimaire composée des armées françaises, canadiennes, américaines et chiliennes. Alors que la situation aujourd'hui est de loin plus dramatique que celle qu'on a eue en 2009. Et pourtant, la réaction de nos amis de la communauté nationale est bien différente. C'est pour moi le moment pour les Haïtiens de comprendre que la gestion du pays, la transformation de ce pays est de leur seule et unique responsabilité. On peut toujours avoir accès à l'assistance internationale, mais la décision nous revient. La décision de construire notre pays, de la transformer, et de permettre à nos concitoyens de vivre décemment
j'aimerais même dire, de vivre tant qu'au monde, c'est pas à nos amis de la communauté nationale qu'il faut s'attendre. C'est à nous de nous serrer les coudes et travailler pour le bien-être de nos concitoyens, comme l'exige la Constitution. Moi, comprenons, en dernière question, en 30 secondes. Et M. Trump va être le 20 janvier au niveau diplomatique. Et comment Haïti a été positionné, nous avons vécu un moment là de grande tension, en tout cas des mois, après une année là maintenant, de grande tension avec la République dominicaine. Et ces deux dossiers-là, comment selon vous les aborder au plan de la politique étrangère d'Haïti? Moi toujours répéter cette phrase du professeur Grégoire Eugène. Toute nouvelle. On peut tout faire pour Haïti sauf changer sa géographie. Haïti a une frontière commune avec la République dominicaine. Les États-Unis sont à 1,5 heure d'Haïti et est le premier partenaire d'Haïti. Comment Haïti doit pouvoir définir ses relations avec ces deux pays? Il nous faut une nouvelle dynamique dans nos relations avec ces deux pays. Une dynamique empreinte de respect, mais aussi d'avoir des gens disposant de la capacité à bien mener la diplomatie haïtienne. Donc c'était ancien président Josem Brivet qui t'a réagi sur ça qui a passé dans tête exécutif là. Donc il a intervenu sur Magic 9 en amis famille noyo. Donc quoi dire, qu'est-ce que vous pensez dans un commentaire en bas et vidéo. Donc de ça, donc si journal là est publié, donc jodi en là, eh bien officiellement Gary Conin il perd du job li. Donc quand Gary Conin il révoqué, eh bien il y a pile possibilité, donc c'est Alix fils aimé, donc c'est lui-même, et donc c'est Alix Didier et fils aimé, donc c'est lui-même qui pral remplacer Gary Conin dans tête pouvoir zami famille noyo. Donc et après, donc quand Gary Conin lui-même fin révoqué, et qui ça qui réservé pour trois conseillers qui inculpé yo. Comme quoi groupe pas accepté révocation Gary Conin là, est-ce que finalement nous pourrons aller dans cour de cassation? Donc si que département d'état mandé pour aller dans cour de cassation, donc nous connaît que influence que corps groupe a gagné sous politique haïtienne là, donc c'est eux même d'ailleurs qui t'ai choisi nous, qui t'ai forcé nous et prend chemin ça à travers CARICOM pour nous et prend un conseil présidentiel plusieurs têtes malgré que nous connaissons que le baba nos résultats. Nous tenter prend chance avec elle, donc le baba nos résultats. Pendant que en pile monde t'a demandé nous faire résultat déjà avec un cours de cassation pour que ça que nous pas aller dans cours de cassation. Peut-être nous t'es voulu pour pays en perdit plus temps toujours pour plus monde t'es mouri toujours dans pays ça. Donc quoi dire que ça qu'on pensait dans commentaire en bas vidéo. Nous espérons que vous êtes ensemble avec nous de commencement à la fin, c'est que vous appelez tout le channel ça. Nous invitons à abonner, peser bouton de notification pour pas rater aucune vidéo. Et nous saluons tous les amis nous qui sont partout dans le monde là qui toujours nous love là. Quitte à moi-même, moi prochainement dans prochaine vidéo qui apparaît sur écran qui moi invité au cliquer connia.